Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le tournoi, évidemment. Donc on va y aller. On va essayer d'être rapide. On va essayer de faire ça. Parce que je n'ai pas beaucoup de temps en réalité. Donc on verra. Allez, en avant, go, c'est parti. À tout de suite. Athéna. Au revoir d'être venu. Il joue une drapée de. Ok. J'imagine qu'il conserve son. Moi je crois pour. Pour une autre équipe. Allez, hop, 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 un petit coup de Naruto. Au final, c'est vrai que depuis quelques moments, mon compte n'a pas beaucoup bougé en combativité, donc là, je suis pas mal en difficulté. Donc aussi bien, ouais, je vais faire 2-3 matchs, et puis, très très vite, je vais être sorti. Donc, bon. Pierre, ce sera, ça prendra pas trop de temps. Je suis un peu en retard, mais bon. Son verre. Allez, à tout de suite. Athéna, bon, t'es au revoir d'être venu. Évidemment. Hop. Et ensuite, l'équipe Madara. Madara. Alors on la met sur une case vie pour éviter les éventuels Naruto Six Pass qui se baladent, évidemment. Toute façon, là, on va affronter le double, vu qu'on a perdu 2 fois de suite. Donc voilà, ça va enchaîner tout de suite. Ok, on est bien. On va bien son résistance. Bon, étant donné qu'on joue des ninjas qui. Ils ne sont pas entièrement broken, normalement je devrais être plutôt anti-obligé. Il ne devrait pas y avoir de surprise absolument folle. Et c'est-à-dire que d'un coup il ne va pas y avoir un dur en face qui va faire 14 millions. L'attaque standard, 14 millions de poursuite et ensuite se demander est-ce qu'il serait pas temps de rajouter 14 millions de ici. On est plutôt cool à ce niveau. Alors, ce sera plus simple à compter. Bien. Je ne vais pas pouvoir lancer d'ulti Madara au prochain tour. Mais bon, on va dire que c'est relativement correct ou correct. Petite Sasori, histoire d'augmenter la pression offensive. Alors le Sasori risque de ressusciter quelqu'un également. Aussi. Bon, Sasori se fait subir des dégâts, mais bon. Sasori c'est pas quelqu'un qui fait des dégâts. Et finalement le crit. Donc ça c'est vraiment plutôt très très bien. Garantir tous les boucliers. Ok. On n'a pas perdu ninja. Tout va bien. Tout va bien, tout va bien. Allez, on y retourne. À tout de suite. Ah oui, pardon. J'ai essayé sur Sand parce que je trouvais pas. Et donc j'ai trouvé quelqu'un. Ashura en P1, hein. Ok. Ok, tout à fait compréhensible. Hein. Je pense qu'on peut aller se faire ça à la rigueur. On peut essayer de contrôler le main haut pour éviter qu'il se soigne un petit
peu. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Potentiellement, le chichu, il peut nous contrôler suffisamment pour qu'on fasse pas de. Pour nous couper court à notre outil. Donc, c'est peut-être intéressant d'essayer de le cibler lui plutôt que le Ashura. Éventuellement. On est d'accord avec ça? Aussi dans l'équation. Ok, on y va sur le ah mais du coup vous avez pas le son du combat, mince. Vous avez le son de Conan, bah de tout va bien alors que c'est la guerre. Mais ok, est-ce qu'on a le temps pour un petit ulti du maître vent? Est-ce qu'on peut pas essayer de cut le main? Ok, on enchaîne sur le chichui. Est-ce une bonne nouvelle? C'est une excellente question. Il s'est mis sur une case vie. Ah, je pense que ça va être compliqué comme combat en réalité. Parce que lorsque son chichu va commencer à faire des dégâts, ça risque d'être. Ça risque d'être complexe. Ah oui, c'est vrai qu'il diminue la résistance également. Pense qu'il faut contrôler. Actuellement, essayer d'envoyer un ulti sur, je pense, et ça ne va jamais s'arrêter, je pense. Ouais. Sur l'Ashura, faut pas qu'il lance un ulti en réalité. Allez, Chichu, à toi, et mince. Du coup, c'est la fin. Il va le tomber là. Bon bah. Ok. Au moins on a la certitude qu'Ashura est un très bon ninja. Je vais essayer de reprendre avec mon compte. Bon, de toute façon, je vais tomber contre le gars, donc ce sera tout en temps rapide, mais au moins on aura fait tous les combats qu'on peut. Comme ça, ce sera fait. Et à tout de suite. Bien justement, on parle du loup. Alors, pif paf pif paf pif. Ok, on va faire ça. Inutu, ça. Inutu, on la touche à pas. Je fais pas ça sinon. Oh, mais avec l'aveuglement partout là. D'accord. Pas besoin d'inamovible, semble-t-il. Ça va pas bien. Je sais pas pourquoi on a été. Pourquoi j'ai pas pu soigner cet aveuglement? Ah oui, et puis en plus, mon. Ok, d'accord. Madara n'a pas pu lancer d'auto également. Comment ça se fait? On va dire d'accord. Hein. Allez, il y a la première attaque. Bien évidemment. Ah, Itachi, il peut plus être ressuscité. On a compris. On a compris le topo. Nous avons compris le topo. D'accord. Très bien. Ouais, c'est allez, type de la dernière chance. Hop. On va tomber contre Starry Skill aussi également. Et on peut dire qu'on aura fait. On se sera battu contre l'Ashura. Est sorti hier, donc
la percer, donc bon. Comme quoi, c'est rudement efficace. Bon, allez, à tout de suite. Ouh là là, ok, attendez, c'est 34. Le pseudo il est d'enfer, mais lui il a carrément mis une formule, comment dirais-je, organique. Alors qu'est-ce qu'on a? On a de l'azote, du C24, H30, N2O3. Ok. Ah oui, du coup il faut lancer des ultis en fait, parce que moi je me donne trop marrant le nombre. Mais en fait non, pas du tout. Il faut que je me concentre un minimum. Ok. Je pense que du coup la cible c'est de viser clairement le main, je pense, dans un premier temps. Que bon, le Sasuke, en visant le Sasuke très très vite, on va potentiellement avoir des problèmes de peur. Il faut que Naruto puisse lancer une auto en fait derrière. Donc je pense que c'est pas mal. Bon, ouais. Et de toute façon, c'est jamais une mauvaise idée de viser le main. Donc quand on sait pas trop, ça peut être plutôt pas mal. Ça peut être plutôt pas mal. Putain, du coup, je suis intrigué par le. Je suis intrigué par les manches physiques quand même. Je sais pas si je vais trouver ça direct, mais... Enfin, ça doit être plus organique vu qu'il y a du carbone, mais... Attendez... N2O3... Le carfentanil. Je crois que ça s'appelle comme ça. On se fout il évidemment. J'ai pas réussi. Mon auto n'a pas réussi à lancer des attaques. Ouais c'est ça, ok. D'accord. C'est un opioïde synthétique qui a été 100 fois plus intense que le fantasme. D'accord. Et 10 000 fois plus intense que la morphine. Ah oui d'accord. Ah d'accord, on est dans ce genre de configuration. Très bien. Enfin, l'état de peur, mince. Hop 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 hop, oh, attention. Il avait 100 points de chakra là ou pas? Et si jamais c'était le cas, c'est peut-être la fin. C'est peut-être la fin. Aïe 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 aïe. En vrai le pseudo est incroyable. Et bien oui, il y avait assez de dégâts finalement. Et ça doit être une fin du tournoi pour moi, très certainement, il n'y a pas de surprise à voir. Hein. Oui, voilà, c'est ça. Bon. On a eu la victoire, comment dirais-je, offerte. Bon. Bien écoutez, on fera mieux la prochaine fois, moi, il n'y a pas de problème. Il n'y a absolument aucun problème vis-à-vis de ça. Alors attendez, il faut que je fasse ça. Tout, tac, tac. Mais du coup, il reste qu'au 10 000. Lui, donc, il faut que je parte. Avec la meilleure équipe. Et le Jiraiya Chant des Grenouilles, bien sûr, bien évidemment. Allez, c'est parti, bonne chance à nous. J'ai l'impression que si on tombe sur un H1, c'est mort. J'ai mis le son ou pas? Non. Oh non, je suis contre un chichui. Oh. Bon bah. Alors qu'est-ce que le chichu va tuer chez nous? Espérons que ce soit le main. Allez, on est reparti. En avant. C'est parti. Il n'y a plus le Jiraiya. Ça c'est bien en vrai. Ça. Ok. Ah ok. Ils ont peut-être potentiellement calmé le jeu au niveau des doubles parce qu'ils se sont rendus compte qu'un chichui reste un chichui. Et vive les clones, j'adore les clones évidemment.
Allez, en avant. Petite ulti sur le chichu adverse. Et on se fera un petit risetto histoire de gagner quelques points de vie sur Jiraiya Itachi. Pourra pas sur le chichu parce qu'il est avec l'inflammation nerveux vive, mais bon. Allez. Est-ce qu'on a assez de dégâts pour passer en force? Une grande question. Ah, par contre, on lui donne des stats de ouf là. Est-ce qu'on est bon? Oh, on est bon, on est bon, on est bon. Quel petit ulti Itachi. Ah, Joe esquive. Alors peut-être. Peut-être que le Jiraiya, il peut peut-être le faire là. Oui, ok. Il n'y a pas eu d'esquive supplémentaire. Très bien. Bon, je propose qu'on relance tout de suite immédiatement. À tout de suite. Ok, donc on est contre le petit main event. Oh. La Tsunade. Comme ceci. Okay. Très bien. Et bien. D'accord. Alors, ce qui m'inquiète, c'est que les 52, et donc du coup, on a 8 minutes pour terminer le tournoi. Je pense qu'un blocage méridien du Shishui devrait permettre pas mal de choses. Il y a des clones. Attention, attention, attention. Ils ont plusieurs gotos. Bon, bah, on va patienter un peu, bon, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Allez, en avant. Ok, et ensuite on attend pour le tour 3. Regardez les dégâts qu'on fait. Oula, il y a tellement de trucs qui se passent en même temps que. Il y a du retard tout affiché. Ok, on va repartir pour principe là, de principe. Voilà. Et ensuite on aura les autos d'Itachi. Les autos d'Itachi. Les autos de Jiraiya. On va peut-être le temps pour un dernier combat. Ok, je pense que peut-être pas. Hein. Cent cinquante-huit de coups de combo, c'est pas mal. Je compte les 5.
Ok. Chaque coup tape 5 fois, c'est quand même quelque chose. En vrai, ça envoie du dégât. En fait. Ça envoie du dégât, c'est une certitude. Ouais. Allez hop. Nickel. C'est nickel, c'est nickel, c'est nickel. Et donc là, il faut lancer. Allez. Bonne chance à nous. Ah, ça va être compliqué, ça va être compliqué, ça va être compliqué cette affaire. Je pense qu'il peut viser le chiche peu avant de tout, hein. De toute façon, une chance sur deux. Parce que le Chichu, il peut nous contrôler jusqu'à la fin du temps. Ok, normalement, il n'y a pas assez de points de chakra pour faire quelque chose d'autre. Donc, on va juste lancer l'ultimate même temps. Malheureusement, on peut essayer de contrôler un peu le Gara sans doute. J'avais toujours aveuglé. Ça, c'est un problème. Ça, c'est un problème. C'est un problème. Allez, on y va. Si on fonce sur le ouais, ok, on met la barre du Jiraiya, est-ce qu'on peut faire de belles choses? Au tour 4, il faudra cycler les contrôles sur le Chichu adverse. Aïe, le Gara qui met des aveuglements partout. Ça nous arrange guère tout ceci. Il faut. Ok, le Chichui, on est bon. On est bon pour le Chichui. Ensuite. Le tour 4, il faut qu'on lance sur Ashura. On n'a pas le choix. Et si on pouvait descendre le gars, on peut pas encore. On peut pas, d'accord. Toujours l'aveuglement, toujours le critique, ça c'est quand même assez compliqué. Il y a le Chichu en moi, ça c'est déjà excellentissime. Et je serai tranquille lorsque la Chouira tombera. Est-ce qu'il y a assez de dégâts pour se débarrasser du Ashura? Oui, ok, nickel. Nickel. Ben nickel. Est-ce qu'on peut tout de suite relancer? Ah mince, fin du tournoi. Bon, on aura au moins eu 3 victoires, ce qui fait 4 sur 10. Ah, c'est pas beaucoup, hein. Mais bon. Écoutez, c'est comme ça, il y a des jours sans, il n'y a pas de problème, voilà. On fera mieux la prochaine fois. J'espère que ça vous a plu et moi je vous dis à très bientôt.